Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis éco-conseillère de la promo 30. Donc, ça fait 5-6 ans maintenant. À la base, moi, j'ai un master en d'une école de commerce et j'ai travaillé à peu près 5 ans en contrôle de gestion. Moi, même 6 ans, j'ai passé 4 ans en Allemagne dans un groupe pharmaceutique où j'étais en charge du contrôle de gestion. Et en fait, en Allemagne, j'étais dans une ville qui est Freiburg-en-Breisgau, qui est une ville très tournée vers la transition écologique. Et ça a réveillé quelque chose qui a toujours été en moi. Et je me suis décidée à retourner en France et à revoir ma carrière professionnelle. J'ai intégré Éco-Conseil. J'ai suivi la formation et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on a une première semaine qui repose les bases des enjeux de la transition écologique. Ça permet à tout le monde d'être un peu à niveau et de voir d'avoir une vision à 360 des problématiques et au fur et à mesure des semaines d'aborder différentes thématiques. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est le chantier d'application parce que ça permet de mettre un pas dans ce qui sera notre futur rôle en tant qu'éco-conseiller sur un projet en réel avec un vrai commanditaire qui a des attentes. Et ça a été formateur parce qu'on était quand même cadré, encadré, on était en groupe. Et ensuite, j'ai réalisé mon stage au sein de la région Grand Est. J'étais à Châlons-en-Champagne à l'époque sur une thématique qui était encore assez confidentielle à ce moment-là, qui est la bioéconomie. Donc la bioéconomie, c'est la valorisation de la biomasse, l'agriculture, la sylviculture, les biodéchets, les algues, pour des finalités à la fois alimentaires, mais aussi tout ce qui est chimie du végétal, matériaux biosourcés et bioénergie. Donc j'ai réalisé mon stage sur ces thématiques au sein du service innovation de la région, parce qu'à l'époque, il y avait une personne qui instruisait des dispositifs d'aide à l'innovation, mais qui était référente sur la thématique de la bioéconomie. Donc c'est vraiment un service et une direction qui, a priori, n'a pas la vocation à travailler sur des thématiques environnementales ou auxquelles on n'y penserait pas de prime abord. Et ça m'a permis de décrocher un CDD de 3 ans qui a été renouvelé depuis. J'ai démarré en tant que chargée de mission innovation, mais référente sur les thématiques matériaux biosourcés et bioénergie. Et par la suite, j'ai rejoint la mission bioéconomie qui s'est créée, qui avait, elle, pour vocation de déployer la stratégie bioéconomie de la région. Et donc, aujourd'hui, mon métier, c'est pas mal d'animation et de coordination d'acteurs pour mettre autour de la table l'amont agricole et sylvicole, les centres de recherche, les centres de transfert de technologies et les industriels de la transformation et les industriels finaux. Alors l'exemple que je peux vous donner qui est le plus parlant, c'est sur les fibres végétales, de se dire on a des producteurs de chanvre, on a des centres de recherche, on a des transformateurs et en bout de chaîne, on a des textiliens et aussi des acteurs du bâtiment qui souhaitent intégrer ces fibres dans leurs produits. Sauf qu'à l'échelle du Grand Est, tous ces gens-là ne se connaissent pas forcément, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ne connaissent pas les cahiers des charges et les problématiques techniques, réglementaires ou les limites de R&D qu'ils peuvent avoir. Et nous, on essaye de faire du lien. Une fois que la mayonnaise a prise, de voir comment on peut aussi adapter nos dispositifs d'aide pour booster ces filières.